Yahweh bate la mitopo. Yahweh, Yahweh, béni sa mitopo. Yahweh, Yahweh bate la mitopo. Vous êtes au nouveau rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous et grande est notre joie de vous présenter cette nouvelle session d'actualité sur nos antennes. Édition que nous ouvrons avec les retours à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, du coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Antoine Yobayoba, après un séjour de quelques semaines à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'était donc depuis le vendredi 22 juillet 2022 et sous l'autre casquette du directeur général de l'établissement qui porte ce nom, c'est lundi 25 juillet 2022. Il a eu une brève mais importante séance de travail avec les agents et cadres de Ma Bannière Télévision. Les détails, c'est dans ces reportages. Après un séjour de travail de plus de deux semaines à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sous sa casquette de coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, Dr Antoine Yobayoba a regagné la ville de Matadi le vendredi 22 juillet 2022 dans la soirée. En sa qualité de directeur général de l'établissement qui porte son nom, il a eu une séance de travail ce lundi 25 juillet 2022 avec les agents et cadres de Ma Bannière Télévision et FM, visiblement satisfaits de ses retrouvailles. Nous sommes très heureux en cette journée du 25 juillet parce que nous avons revu notre patron qui, selon certains dires, avait peut-être disparu pour une raison quelconque. Beaucoup d'entre vous savent et les réseaux sociaux ont beaucoup parlé en ce qui concerne, entre guillemets, un certain détournement de fonds publics du PNHF devenu blanchi par la justice. C'est vrai que c'était une cabale, en fait, une cabale des personnes qui voulaient le voir chuter. Le directeur de programme de cette entreprise de presse, Jenushion Bouibatoubenga, rassure qu'après les passages de l'IGF au PNHF, les dossiers est clos au niveau de la justice, n'étant pas impliqué. Nous sommes dans la joie, de manière concrète, de montrer à tout le monde les retours de notre directeur général, Dr Antoine Yobayoba, qui était à Kinshasa dans un séjour de travail, comme nous l'avons fait défiler sur notre bande défilante. Il est rentré, blanchi totalement. Monsieur Chambouyi Batoubenga déplore tout de même le comportement de ceux qu'il qualifie de pseudo-journalistes sur les réseaux sociaux concernant cette affaire. Concrètement à ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, ce qu'on a dit par beaucoup de gens, et surtout beaucoup de pseudo-journalistes spécialistes de Facebook, et qui ont écrit de n'importe quoi. Or, il est connu très bien pour tout journaliste sérieux que avant de diffuser une information, on collecte, on traite et on diffuse. Donc c'est supposé qu'on a bien contrôlé toutes ces sources et qu'on donne au public la bonne information et la vraie, comme le fait Ma Bannière. Au sein de cette locomotive des médias du Congo central, le regard de toutes et tous reste fixé sur une même direction. Alors, rien ne poussera Ma Bannière Télévision de renoncer à son objectif de jouer les contre-pouvoirs en étant une église véritablement au milieu du village. Ensemble avec vous, changeons de registre, mesdames, messieurs. La ville portière et historique de Bouma, toujours au Congo central, est encore sous la menace des graves inondations pour la prochaine saison de pluie. C'était donc au cours d'une manifestation. La population de plusieurs quartiers de la ville de Bouma appelle les autorités à agir car plusieurs quartiers, surtout de la commune de Kalamo, sont exposés à ces graves inondations qui, dans les passés, ont causé des pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Retrouvons Pacifique Mwanda dans ses commentaires.
La population de la ville portière de Boma craint la disparition des quelques quartiers victimes des catastrophes naturelles, notamment les inondations. Les cas du quartier Oni dans la commune de Kalamou à la hauteur de l'hôpital Hygiène Kalamou. Cette partie de la ville devient de plus en plus inhabitée suite au débordement des eaux de la rivière Kalamou après la pluie. Plusieurs maisons se sont écroulées entre 2015, 2017 et 2021 suite à ces inondations qui ont causé mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels. Ces quartiers de renom a perdu sa valeur. Les maisons ne sont plus sollicitées pour la location à cause de cette problématique. Des maisons d'habitation, écoles et centres de santé abandonnés, l'insalubrité, telle est la situation qui préoccupe les habitants du quartier Oni. Madame Sophie Futipaku, chef de la cellule Ngaka, a circonscrit les difficultés que fait face cette agglomération. Ce sont les inondations qui ont avili ces quartiers. Les herbes poussent partout à cause de l'humidité. Les jeunes du quartier se mobilisent pour l'assainissement, malheureusement en vain, suite à l'humidité. Les locataires fuient cette contrée à cause de cette problématique. Que les autorités nous viennent en aide. Les jeunes du quartier Oni se disent préoccupés par cette problématique et sollicitent auprès des autorités des instruments de travail pour l'assainissement de cette contrée. C'est la première fois, deuxième fois, troisième fois. Après avoir perdu plusieurs biens consécutivement, plusieurs habitants de cette agglomération ont décidé de quitter les milieux. Nous, les jeunes du quartier, nous sollicitons l'appui des autorités en instrument pour l'assainissement de notre quartier. Selon les études des experts, l'écrirage des rivières et affluents qui traversent la ville de Boma est la solution durable pouvant prévenir ces inondations. Quittons la ville portière et historique de Boma pour tout à fait autre chose dans ce journal. La capitale congolaise Kinshasa a abrité ce lundi 25 juillet 2022 les assises de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'était donc à la cité de l'Union africaine sous la présidence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président en exercice de cette communauté sous-régionale. Plusieurs questions qui touchent la vie de cette communauté étaient au cœur de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le chef d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se sont réunis ce lundi 25 juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa pour participer aux travaux de la 21e session ordinaire de cette communauté sous-régionale. Sous la présidence du chef de l'État congolais et président en exercice de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette session ordinaire s'est déroulée sous les thèmes principaux éducation, santé, culture. Le discours d'ouverture a été prononcé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un plaisir tout particulier et un grand honneur que je préside ce jour la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et aussi un excellent séjour à Kinshasa à l'occasion de cet événement. Je salue votre présence et vous exprime mes très sincères remerciements pour avoir accepté de bousculer vos agendas très chargés afin de venir participer à ces assises. La 21e session ordinaire se tient 7 mois après la 20e session ordinaire organisée le 19 janvier 2022 à Kintele en République du Congo voisine, qui avait marqué le passage de témoins entre nos deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, et ce, conformément au délai prescrit par le traité révisé de notre communauté et au terme de laquelle la conférence avait résolu de tenir sa 21e session ordinaire en juillet 2022 à Kinshasa. Vous vous souviendrez que dans le cadre de mon mandat, j'avais annoncé d'inscrire mon action dans la continuité, notamment en poursuivant la réforme de notre organisation régionale avec un accent particulier sur la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, adopté en 2019, réforme initiée par mon prédécesseur, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Je tiens à vous réitérer
mes voeux de bienvenue et à vous souhaiter d'excellents travaux. Et je déclare ouverte la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale. Le communiqué final de cette session ordinaire de la CEAC, tenue à Kinshasa, sera publié dans les prochaines heures. Selon certaines sources, les chefs d'État et de gouvernement de cette communauté ont approuvé la feuille de route signée entre Kinshasa et Kigali à Luanda, en Angola, exigeant ainsi la cessation des hostilités et le retrait immédiat du M23 à l'est de la RDC. Quittons la capitale Kinshasa pour l'est de la République démocratique du Congo. Vive tension et forte mobilisation à Goma ce lundi 25 juillet 2022. Pendant la journée, la population en colère dans les rues pour manifester, exiger le départ sans condition et sans délai de la MONUSCO, donc des casques bleus de la MONUSCO, un peu plus de 20 ans après le déploiement de cette force onusienne en République démocratique du Congo pour rétablir la paix et protéger les civils. La situation s'est malheureusement dégénérée jusqu'en fin de cette journée. Je vous propose ce voyage à Goma pour retrouver notre correspondant Daniel Michumbiro. Plusieurs axes de la ville de Goma ont été barricadés par de pierre. Cette situation a bloqué la circulation dans toute la ville. Les manifestants ont incendié une partie de la base logistique de la MONUSCO Goma, RVA. D'autres bureaux de la mission en RDC, basés ici en ville de Goma, ont été vandalisés. Ils ont détruit la porte et ont accédé à l'intérieur. Plusieurs biens ont été pillés. Comme vous pouvez le constater derrière moi ici, c'est la grande base logistique de la MONUSCO ici en ville de Goma. Des manifestants veulent à tout prix y mettre du feu. Ils disent ne pas comprendre pourquoi, depuis plusieurs années, la situation sécuritaire reste précaire à côté de la MONUSCO dans la partie est de la RDC avec un nombre important d'hommes. La MONUSCO a même démontré ses limites tout en montrant que le M23 a une supériorité militaire, une puissance de feu plus que la MONUSCO et plus que la République démocratique du Congo. Ça, ce sont les paroles du porte-parole de la MONUSCO. C'est pour cette raison que nous, population du Nord Kivu, qui souffrons nuit et jour, qui avons des frères qui meurent à Beni, à Rutshuru et Bunagana et encore sous les mains du M23, nous demandons sans condition, la MONUSCO doit quitter nos terres. La population en a marre. Ça fait longtemps qu'on lance des SOS. La population comprend que pour l'instant, le droit est le Rwanda qui nous agresse tout le temps. La population veut se prendre en charge, veut prendre toutes les choses en main pour régler sa situation. Des morts, des blessés et des biens ont été enregistrés aujourd'hui. Jusqu'à 16 heures locales, la situation est restée tendue dans la ville de Goma. Des balles crépitaient de partout comme vous pouvez l'entendre ici. C'est par hélicoptère que certains agents de la MONUSCO coincés dans certains bureaux ont été évacués. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Vous avez donc suivi ces reportages de notre correspondant à Goma, Daniel Michombero. Clin d'œil dans l'actualité continentale, nous allons atterrir précisément à Tunis. Là, nous sommes en Tunisie où la population était appelée aux urnes ce lundi 25 juillet 2022 pour voter, donc approuver ou encore désapprouver le référendum constitutionnel proposé par le président Kais Saied quelques mois après avoir dissous le Parlement, alors que plusieurs personnalités influentes de la classe politique tunisienne ont appelé la population au boycott et il y a eu plusieurs manifestations pour dire non à ces votes de référendum. Et plusieurs manifestations, dans ces manifestations plutôt, des dizaines de personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Je vous propose cet élément de nos confrères de France 24. Des arrestations musclées et de violentes confrontations entre protestataires et forces de l'ordre. Hier soir, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tunis, devant le théâtre municipal, pour s'opposer au référendum sur la Constitution. Toutes les associations présentes disent une seule chose, non à ce référendum et à cette Constitution qui va abolir l'état civil, l'égalité, les droits et les libertés. Un projet de constitution soumis ce lundi au vote des Tunisiens et qui marquerait une rupture radicale avec le système parlementaire en place depuis 2014.
Le pays de presque 12 millions d'habitants est plongé dans une nouvelle crise politique depuis le coup de force du président Saïed en juillet 2021. Le chef de l'État s'est octroyé les pleins pouvoirs avant de dissoudre le Parlement. Je suis inquiète pour la Tunisie. J'étais pour le changement, pour un changement positif, pour que l'on demande des comptes aux voleurs et à la mafia qui ont volé le pays. J'étais pour ça, moi. Mais nous avons vu la vraie nature de Kais Saïed. Nous avons vu que son problème n'était pas de combattre les corrompus. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, personne n'a été condamné. L'opposition et de nombreuses ONG appellent au boycott du référendum. Ils redoutent une dérive vers un régime dictatorial. Mesdames, Messieurs, parlons sport dans ce corps du journal. Fin le samedi 23 juillet 2022 de la 14e édition de la CAN féminine Maroc 2022 après 3 semaines de compétition. Et après 5 échecs, 3 fois contre le Nigeria et 2 fois contre la Guinée équatoriale, la République sud-africaine a enfin été sacrée championne de cette 14e édition de la Coupe des Nations féminines CAN Maroc 2022. L'impressionnant parcours des Sud-Africaines a commencé le 4 juillet en envoyant un signal fort à toutes les équipes participantes à la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Super Falcons du Nigeria, les Banyania Banyania se sont imposés 2-1. C'était pas gagné d'avance contre des adversaires qui les ont privé le titre de champion à 3 reprises en 1995, en 2000 et en 2018. La nation arc-en-ciel a enchaîné le 7 juillet contre le Burundi, succès 3-1, et a clôturé la phase de poule en prenant le dessus 1-0 sur le Botswana le 10 juillet 2022. En quart et en demi-finale, la République sud-africaine s'est abonnée au score d'un 1-0, disposant de la Tunisie le 14 juillet et de la Zambie le 18 juillet. Les protégés de Désiré Ellis ont conclu en s'imposant en finale le samedi 23 juillet face au Maroc sur le score de 2-1. Le pays hôte a subi la loi de Hilda Magaya, auteur d'un doublé à la 63e et à la 71e minute. Après 6 rencontres livrées, les championnes ont terminé la compétition avec 6 victoires, 10 buts marqués et 3 buts encaissés, soit une moyenne de 3,3 buts marqués par match. La République sud-africaine a, après le succès face au Maroc, inscrit son nom au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations féminines comme 3e nation à avoir soulevé la Coupe après le Nigeria 11 titres et la Guinée équatoriale 2 titres. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons complètement point à cette session du journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer et bonne suite des programmes sur nos antennes.